La famille Bianco, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nouveau décor avec des vinyles sur ma droite, un petit néon derrière, j'en suis vraiment fier, je sais pas si vous le voyez. Il y a mon cocher qui cache tout. En tout cas, aujourd'hui, grosse vidéo, j'attendais ce retour depuis 6 ans, sa mère. Si je vous dis l'artiste féminine la plus certifiée de l'histoire aux États-Unis, la plus certifiée de l'histoire en Angleterre, celle qui a un catalogue qui peut aller du R&B à de la pop en passant par de la reggae, du rap, toujours confondu. Je pense que vous avez compris de qui je parle, je sais, avec ce petit intro, Made in X Factor. Vous avez compris, aujourd'hui on va parler de Rihanna. Rihanna qui revient avec le titre Lift Me Up. Alors on sait toujours pas si c'est le lead single de son propre projet personnel ou c'est le lead single de la BO de Wakanda de Black Panther. Je pense plutôt qu'elle va utiliser le délire un peu Black Panther Wakanda pour s'assurer d'un buzz, d'un bon buzz. Et si jamais il y a flop, au moins on dira pas que c'est son lead single. Il se dit aussi que pour la BO, Rihanna a dévoilé deux sons, deux balades. Donc Lift Me Up a l'air d'être une balade, c'est un mi-tempo. La famille, on est prêts. Je sais pas combien je kiffe cette meuf, j'assume kiffer Rihanna. Et en tout cas, si vous êtes prêts pour ces vidéos, n'oubliez surtout pas, comme d'habitude, de vous abonner, de mettre à fond, d'aller à fond pour cette vidéo, je compte sur vous. Et bien sûr, d'activer la cloche des notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos. Bon, la famille, j'étais en train de dormir sa race. Allez, c'est parti. Putain, c'est cette harmonie dans la voix. Elle est de retour enfin, sa grand-mère. Putain, je suis en train de baver. Oh putain, Sarah, ça fait tellement du bien d'entendre. Sa voix, on dirait la mieux aussi, tu vois. Ça qui est bien. Va dans les aigus de ta mère, vas-y. Bah attends, c'est très balade par contre. Hein. Un poil trop monotone aussi, tu vois. Je veux que ça se lâche maintenant, vas-y, lâche-toi. Elle revient dans sa subtilité. Avec une balade, c'est très atypique, c'est pas Rihanna ça. Bon, la fin, on a compris. Hold me, ouais, j'ai capté. Oh la voix, la voix, la voix, la voix. Oui! Eh, tu peux tout me chanter, même de la merde, je dirais oui. Ce que je retiens sur cette chanson, c'est la maîtrise de voix. La maîtrise de voix normale, la maîtrise de sa voix basique en soi, et aussi la maîtrise de sa voix de tête. Vraiment, les aigus sont parfaits. Après, ce que je trouve dommage, c'est que ça se lâche pas. C'est un poil trop monotone. Mais bon, c'est du Rihanna, ça va rentrer facilement en tête. Bon, quand même, 6 ans d'absence pour revenir avec une balade, on répète 1000 fois Lift Me Up. J'espère pour elle, et elle a intérêt, et vous avez intérêt d'écouter à fond et de streamer à fond son son derrière. En tout cas, voilà, la famille, la review sur Lift Me Up de Rihanna est finie. C'est bien précisé, en tout cas, pardon, que c'est pour Black Panther. Donc voilà, j'attends vos avis dans la barre des commentaires si c'est un bon. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de mettre à fond des likes, à fond, bien sûr d'activer la cloche de notification pour rater aucune de mes prochaines vidéos. Il y a d'autres vidéos disponibles ici, kiffez, likez et non, à la prochaine. Salut.